t'en as... Nous rappelons, frères et sœurs, avec les amis qui sont arrivés depuis tout à l'heure, le rituel de l'ouverture des portes de la basilique par notre évêque. La procession arrive par l'extérieur et en frappant avec la crosse à trois reprises et avec un dialogue qui est celui du psaume 23 que le peuple élu priait en entrant à Jérusalem à la fin du pèlerinage. Et on demandait au Seigneur d'ouvrir ces portes qui sont à la fois les portes de Jérusalem. Nous nous rappelons que la grande couronne, c'est l'image de la Jérusalem céleste dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Et ces portes représentent aussi les portes du cœur qui ont du mal à s'ouvrir pour rencontrer Dieu et les autres comme des frères. Alors nous aurons dans ce dialogue juste à répondre quand l'évêque demandera à ce que les portes s'ouvrent. Mais qui est-il ce roi de gloire ? Voilà, c'est tout ce qu'on dit, à quatre reprises. On va faire les deux premières et puis après c'est tout simple. Et je donnerai le top départ, si vous le voulez bien, à chaque fois que nous le répondrons. Donc l'évêque dit, « Église du Seigneur, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi. » Tout à l'heure on a dit qu'il fallait que ce soit motivant. Avec les masques, c'est dur, mais motivé. Hein? En fait, on demande, mais Seigneur, mais c'est qui là? Qui est-ce qui va ouvrir mon cœur qui est fermé? Qui est-ce qui va ouvrir les portes fermées dans ce monde? Et donc, c'est une question importante. L'évêque répond, c'est Jésus de Nazareth, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. Église du Seigneur, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi. Voilà, très bien. Voilà, la procession est sortie, donc on prend un petit instant de recueillement avant le début du rituel liturgique. Et voilà, vous l'avez compris, nous sommes en direct sur RCF Reims-Ardennes, mais aussi sur la chaîne YouTube du diocèse de Reims, pour vivre avec vous, Alexis, cette célébration de la Sainte-Marie, une célébration un peu particulière. Puisque sous le signe de la Covid et de la crise sanitaire. Effectivement, c'est assez étrange de voir tous ces diocésains qui se présentent à la basilique Saint-Rémy, tous masqués. Avec frères et sœurs, au terme de notre pèlerinage à travers la ville, nous nous approchons de la tombe de Saint-Rémy, disciple missionnaire du Seigneur Jésus, évêque et patron de notre ville et de notre diocèse. Comme le peuple élu montant à Jérusalem et traversant ses murailles, franchissons les portes de cette basilique pour louer le Seigneur ressuscité dans son Eucharistie. Église du Seigneur, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi. Mais qui est-il, ce roi de gloire ? C'est Jésus de Nazareth, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes. Temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Église du Seigneur, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi. Mais qui est-il, ce roi de gloire ? C'est Jésus le Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs. Temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Église du Seigneur, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire qui vient à toi. Mais qui est-il, ce roi de gloire ? C'est ressuscité, élevé dans la gloire du Père où il intercède pour nous.
Voilà, la porte vient de s'ouvrir à la basilique Saint-Remi. C'est une première fois, c'est la première fois que je vois ce type de déroulé au niveau de la célébration. Monseigneur de Moulin-Beaufort avec les Monseigneur Feuillet et les prêtres du diocèse sont sur la place, sur le parvis de la basilique, et ils entrent par le fond avec, bien entendu, du monde à l'intérieur. Alexis, vous l'avez dit, un petit peu moins que d'habitude pour cause de Covid, mais tout de même, ici, dans cette ambiance particulière, et, j'allais dire presque mystique, hein, il y a quand même ici, dans cette basilique, une ambiance tout à fait spéciale. Nous allons vivre un moment exceptionnel. Regarde, Jérusalem, voici que l'on dit parmi les nations, montons à la montagne du Seigneur, au sanctuaire du Dieu de Jacob. Exulte Jérusalem, réjouis-toi Église du Seigneur, car voici que s'avance le peuple saint. Il a pris la route, il entre maintenant dans tes murs à la suite de Saint-Remi et chante maintenant avec la maîtrise de la cathédrale et toute l'assemblée de tout son cœur. Cité, peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. C'est le Père Vincent Dilizia de la Fraternité Missionnaire qui a ouvert cette célébration pour accueillir Monseigneur de Moulin-Beaufort. Et nous sommes en pleine actualité puisqu'aujourd'hui, le pape François vient de publier l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères. C'est une démarche, bien sûr, qui rejoint la démarche missionnaire dans le diocèse de Reims, le jour de cette fête de Saint-Remi. Thank you.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Nous voici donc, frères et sœurs, rassemblés pour célébrer la fête de Saint-Remi, la fête du patron de notre ville et de notre diocèse tout entier. Nous sommes heureux d'avoir pu entrer solennellement par les grandes portes de notre basilique, puisque les travaux accomplis nous permettent désormais de le faire de nouveau et de profiter de l'ampleur de cet édifice et d'entrer ainsi en nous tournant tout de suite vers le cœur, symbole du Christ ressuscité. Nous sommes entrés en procession avec les diacres et les prêtres et les servants, mais aussi avec les néophytes et les nouveaux confirmés, quelques-uns des néophytes et des nouveaux confirmés, les nouveaux baptisés et les nouveaux confirmés de cette année, que nous sommes heureux d'entourer de notre prière, mais que nous remercions de nous rejoindre dans le corps du Christ pour nous aider à vivre plus pleinement, plus profondément de la vie du Christ dans le monde où nous sommes. Entrons, frères et sœurs, dans la célébration de cette Eucharistie en nous confiant à l'intercession de Saint Remi et de tous les saints. Nous fêtons aujourd'hui avec toute l'Église aussi Saint François d'Assise. Nous ne l'oublions pas. Nous sommes unis à tous ceux qui se relient à nous grâce à RCF ou à la chaîne YouTube du diocèse. Tous ensemble, formons une seule assemblée, demandons la grâce d'avoir un seul cœur, aujourd'hui et toujours. Humblement, tournons-nous vers Dieu et accueillons la miséricorde qu'il veut nous faire dans le Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Cœur purifié avec les anges et les saints, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, la messe de Saint Boniface. Nous te louons, nous te bénissons, nous
le Seigneur. Tu as mis, Seigneur, ta parole sur les lèvres de Saint Remi, afin que notre peuple connaisse la vraie foi. Accorde à tes enfants qui portent le nom de chrétiens la grâce d'entendre et de répondre à tes appels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On va retrouver la lecture du livre d'Isaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans la célébration de Saint-Remi, en direct de la Basilique, sur RCF et sur YouTube, Diocèse de Reims. La parole de Dieu dans le livre d'Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et qui vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion, éclaté de cris de joie pour ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Avant de retrouver la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Thank you.
Après ce psaume, nous allons retrouver la lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens. Puis ensuite, ce sera la lecture de l'Évangile. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec... Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia. Petite messe pour Notre-Dame de Reims, en direct, Basilique Saint-Remi. Nous allons entendre la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 14, versets 1 à 14. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai. » Et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin.
Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père ? » Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Nous venons d'entendre la lecture de l'Évangile selon saint Jean. Et nous vous proposons d'entendre l'homélie de l'archevêque de Reims. Ne soyez pas bouleversés. Nous recevons, frères et sœurs, cet encouragement du Seigneur lui-même, et nous l'entendons aussi ce soir de son serviteur saint Remi, notre Père dans la foi. Sommes-nous bouleversés en cette saint Remi 2020 ? Nous sommes en tout cas gênés, empêtrés dans nos masques, inquiétés par l'épidémie qui se prolonge et par l'incertitude où elle nous met. Certains d'entre nous ont des raisons d'être angoissés pour leur santé ou pour celle de tel ou tel de leurs proches, ou bien pour leur avenir économique ou celui de leur famille et de leur entreprise. Notre pays tout entier est embarrassé, ralenti, entravé par les mesures de précaution sanitaire qu'il est nécessaire que l'on nous impose et que nous tâchons de respecter le mieux que nous pouvons. Notre pays est ainsi gêné comme le sont tous les pays du monde, et c'est une des caractéristiques intéressantes du moment que nous vivons, l'universalité de l'épidémie et des mesures de lutte qu'elle exige. Bouleversé, donc, c'est peut-être un mot trop fort pour décrire l'état où nous sommes collectivement. Après tout, il n'y a pas de destruction, pas de coupable, pas d'ennemis. Certains meurent comme tout au long des jours, hélas, même si la douleur de leur mort se trouve aggravée par l'isolement que la peur de la contagion a imposé et impose encore trop souvent. Tout en gardant donc le sens des proportions, nous pouvons peut-être reconnaître ceci. L'état de crise sanitaire où nous sommes nous paralyse. Nous savons si bien aujourd'hui comment fonctionne une épidémie que nous connaissons les mesures à prendre pour éviter toute contagion, et cela nous prive de tout héroïsme. Nous devons être raisonnables, tous collectivement,
parce que nous sommes responsables les uns des autres, et cela doit nous réjouir d'être responsables les uns des autres, cela doit nous réjouir comme un premier degré de la charité à laquelle nous sommes appelés, mais nous courons le risque, collectivement, de nous limiter en toutes nos activités au strict nécessaire, de ne rien entreprendre sans peser toutes les précautions à prendre, et finalement de rester immobile, ne bougeant plus que pour le strict nécessaire. Ne soyez donc pas bouleversés, nous dit Jésus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Comment le Seigneur justifie-t-il que nous lui fassions confiance? Quel contenu donne-t-il à la foi qu'il nous demande d'avoir en lui? Je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Il y a pour nous, il y a pour chacun et chacune de nous, qui que nous soyons, où que nous soyons aujourd'hui, où que nous en soyons, une demeure possible dans la maison du Père, une place qui nous attend, un lieu où nous sommes attendus. Ces paroles du Seigneur, cette promesse, nous les entendons souvent lors des funérailles, et il y a bien des raisons à cela. Mais la demeure, la place dans la maison du Père que Jésus nous promet et qui est allé nous préparer, il nous annonce qu'il nous faut nous y rendre. Je reviendrai vous prendre avec moi. Il ne parle pas là seulement de la mort, comme un départ, comme si la mort nous faisait faire le voyage de manière instantanée. Il vient nous chercher pour nous prendre avec lui depuis le baptême, depuis même tout ce qui nous a conduit progressivement jusqu'au baptême et peu à peu à tout le trajet de notre vie et de notre vie de chrétien. Il nous faut bouger, avancer, nous déplacer, nous laisser tirer hors de nous-mêmes, hors de nos différentes demeures terrestres, de tous ces lieux où nous sommes tentés parfois de nous attarder. Il nous faut bouger, sortir, nous laisser entraîner pour aller plus loin, plus haut, plus en avant, vers ce que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes, mais qui nous est promis comme étant notre vrai lieu, le lieu de notre plénitude. Alors, frères et sœurs, que nous soyons ou non bouleversés à strictement parler, en tout cas, veillons à ne pas nous laisser paralyser. Vous devez, en famille, dans votre métier, avec vos amis ou dans vos différents engagements, renoncer à bien des activités utiles ou réjouissantes, voire même nécessaires, parce que vous êtes, nous sommes responsables et raisonnables. Nous avons dû, à l'échelle du diocèse, renoncer d'abord au rassemblement prévu des membres des conseils locaux d'animation de nos paroisses et des équipes pastorales et des conseils d'animation missionnaire de nos espaces missionnaires. Et ensuite, nous avons dû renoncer au pèlerinage en commun à travers la ville de Reims. Et il n'y a rien à regretter. Ces annulations, ces renoncements s'imposaient au nom de notre responsabilité commune à l'égard de tous. Mais il ne suffit pas d'annoncer et de renoncer, puisqu'il semble de plus en plus clair que nous allons devoir vivre avec ces précautions sanitaires un certain temps, plusieurs mois sans doute, quelques-uns disent même, je ne sais au nom de quelle science, un an et demi, en tout cas pendant un temps assez long, il nous faudra inventer les moyens d'être des vivants pendant ce temps, et non pas seulement des survivants. Il nous faut trouver les moyens de ne pas nous contenter du strict minimum en termes de prières, de rencontres, d'échanges, de services des autres. Il n'est pas question de transgresser les règles qui nous sont fixées, mais il nous faut chercher, dans la lumière de l'Esprit-Saint, comment les outrepasser. Non pas agir contre ces règles ou à côté d'elles, mais dans ces règles et au-delà d'elles, mettre en œuvre la foi, l'espérance et la charité. Nous avons su le faire collectivement pendant les mois de confinement
Par exemple, en nous unissant les uns aux autres pour des temps de méditation en commun, grâce à la radio ou à la vidéo. Une méditation continue tous les soirs à 19h30, à 19h10 sur RCF. Nous avons su prendre des nouvelles les uns des autres et créer des chaînes de prière. Nous avons su rendre à nos voisins les services nécessaires ou accepter que des voisins nous apportent ce qu'il n'était pas sage que nous allions chercher nous-mêmes. Nous devons, je crois, frères et sœurs, privilégier la célébration eucharistique lorsqu'il nous est possible de nous y rendre, parce que là, les règles sanitaires sont faciles à respecter, les protocoles sont bien en place, mais il nous faut et il nous faudra, pour les mois qui viennent, imaginer des moyens anciens et nouveaux de catéchèse, de rencontres, pour nous initier mutuellement à un sacrement, de préparation spirituelle et sacramentelle à tel moment de l'année liturgique. Nous pouvons et nous devons en tout cas veiller à ce que les précautions sanitaires ne deviennent pas autour de nous comme des bandelettes qui enveloppaient Lazare dans son tombeau, qu'elles ne nous enferment pas dans nos demeures terrestres, mais qu'elles nous stimulent au contraire pour aller puiser dans nos cœurs la foi, l'espérance et la charité, pour aller vers le Père avec Jésus et en lui, pour nous laisser prendre avec lui et par conséquent avec les autres. C'est que pour avancer avec Jésus, nous savons le chemin. Pour vivre pleinement, il y a un chemin et ce chemin, nous le connaissons. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. La Saint-Remi 2020 ne sera pas marquée dans l'histoire seulement par la crise sanitaire et ses précautions. Plaise à Dieu qu'elle ne soit pas marquée dans notre souvenir, surtout par cette crise, car ce matin, le pape François a signé sa nouvelle encyclique « Tutti fratelli », « Tous frères », selon un mot de saint François d'Assise, dont nous célébrons la fête aujourd'hui aussi. Nous, chrétiens, sommes des frères et des sœurs les uns pour les autres. Nous, chrétiens, sommes pour tous les humains le signe que tous sont appelés à devenir des frères et des sœurs mutuellement. Comment se caractérisent ces frères et ces sœurs ? Nous marchons vers le Père, vers l'unique Père de tous, vers celui qui aspire à être reconnu comme Père par tous et par chacun, et il n'y a pour aller à lui qu'un seul chemin, Jésus. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Car en Jésus, les humains découvrent qu'ils sont aimés par un Père unique qui aime chacun, quel qu'il soit, et aspire à en être aimé. Et les humains découvrent qu'ils peuvent être ou doivent être les uns pour les autres, librement, des frères et des sœurs, tous venant du même Père et tous allant vers lui. Les humains et pas davantage le cosmos ne sont là par hasard. Notre capacité de connaître, de comprendre, de nous émerveiller, de construire, d'imaginer, n'est pas seulement le résultat de processus biochimiques complexes qui se seraient réalisés alors même qu'ils étaient improbables. Nous sommes voulus, attendus, espérés. Vivre, ce n'est pas survivre, c'est avancer de la vie à la vie en plénitude, en suivant de près ou de loin l'unique chemin possible, celui du don de soi pour que les autres vivent. Frères et sœurs, rassemblés ce soir autour des reliques de Saint-Remi, de ces restes mortels qui nous assurent qu'il est vivant dans la plénitude de Dieu et qui nous font attendre le corps glorieux dans le corps du Christ Jésus, nous pouvons nous poser dans le secret de nos cœurs, la question que l'épidémie rapproche de nous tous et que le confinement nous a déjà fait nous poser avec une certaine force. Qu'est-ce qui me fait vivre ? Qu'est-ce qui me rend vivant ? Qu'est-ce qui fait que je suis un vivant et non pas un mort ? Mon métier, mais à quelles conditions ?
les dîners chez des amis ou les spectacles auxquels j'assiste, mais est-ce le cas toujours ? L'alcool, la drogue, l'excitation sexuelle, ou bien la rencontre, le partage, le service ? Ma famille, mais pourquoi ? Le sport ou l'art, mais jusqu'à quel point ? Ma foi dans le Christ, mort pour moi et ressuscité pour que je vive, mais au nom de quoi et comment ? L'épidémie, en rapprochant de nous tous la maladie et la mort, et le confinement, en nous privant de bien des activités, nous ont obligés à affronter cette question. Où est-ce que je puise la lumière et l'énergie qui me rendent vivant, en vérité, porteur de vie pour les autres et pour moi ? Peut-être la question doit-elle se formuler encore autrement. Quel est le chemin que je parcours ? Me conduit-il à la vérité et à la vie ? Jésus, vous l'avez noté, ne nous décrit pas un chemin tout fait. Il se présente lui-même comme le chemin. Vivre, c'est le suivre. Vivre, c'est répondre à son appel, à ses appels successifs qui en forment un seul au total. Va vers le Père. Vivre ne consiste pas à correspondre à une image de soi, à s'épanouir personnellement, à réaliser ce que je porte en moi, mais à travers tout cela, au-delà de tout cela, à répondre à un appel personnel qui m'est adressé à moi pour que je me mette en marche vers la place qui m'est préparée à moi dans la maison du Père. Toutefois, ce chemin qu'est Jésus, nous pouvons le décrire d'un mot. Il consiste à se faire le frère ou la sœur de chacun, à accepter de l'être d'abord, à le devenir ensuite. Les frères et les sœurs ne se choisissent pas, la fraternité ne se décrète pas, mais il n'y a rien de plus beau, de plus dilatant, de plus porteur de joie que de se sentir soudain, au bout d'un chemin, frères, frères et sœurs, en vérité, plus unis, plus un, plus proches les uns des autres, plus sensibles les uns aux autres que nous ne le savions et que nous ne pouvons le dire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le christianisme n'est pas seulement une religion de l'intériorité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas naître ensemble que virtuellement. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous retrouver les uns avec les autres, les uns près des autres, dans un même lieu, tournés ensemble vers le même Père, nous laissant prendre par le même Seigneur Jésus. Pour que la surprise puisse advenir, que nous nous sentions frères et sœurs, au plus intime de la fibre de notre chair. Nous avons besoin pour cela d'éprouver la présence physique des autres autour de nous, de sentir leur respiration, de les entendre parler ou chanter ou écouter avec nous. De tels moments ne peuvent être que fugaces, mais ils sont les moments les plus réels de nos vies. L'apôtre saint Paul en a fait sa prière pour nous, et ne doutons pas que saint Remi ce soir s'unisse à l'apôtre. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi, c'est-à-dire par l'amour intense et débordant pour tous, qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père. Vous lirez, nous lirons, nous étudierons l'encyclique du pape, frères et sœurs, mais déjà nous le comprenons. Être chrétien, marcher sur le chemin du Christ vers la maison du Père, c'est vivre fraternellement. Cette fraternité n'est pas une politesse, une civilité, toujours souhaitable bien sûr. C'est un amour de plus en plus intense et débordant, un amour qui connaisse de moins en moins de limites ou de barrières. Notre projet diocésain nous appelle tous à constituer des fraternités de proximité. Ce n'est pas un produit de substitution pour les paroisses que nous ne parvenons plus à faire vivre, c'est un appel à avancer ensemble sur le chemin du Christ pour y devenir en vérité des vivants.
l'épidémie et les précautions sanitaires ne doivent pas nous en priver, que l'esprit suscite en nous l'imagination créatrice nécessaire. Nous aurions dû célébrer cette Saint-Remi sous la présidence de Mgr Paul Abel Mamba, évêque de Ziguinchor au Sénégal. Il est l'évêque des pères Olivier Colli et Jacques-Aimé Sagna. Son diocèse et le nôtre travaillent à établir un partenariat. Nous espérions signer ce partenariat ce soir. L'épidémie nous en empêche, ce n'est que partie remise. Bien sûr, frères et sœurs, nous avons besoin de trouver l'aide de prêtres venus d'autres diocèses et d'autres pays. Nous en bénéficions déjà et je veux les remercier tous en votre nom. Je voudrais remercier aussi en votre nom les religieux et les religieuses de notre diocèse, les moines et les moniales comme les religieux et religieuses de vie apostolique et tous les consacrés. Certaines moniales sont issues de notre diocèse ou de notre région, mais la grande majorité viennent d'autres parties de notre pays ou du monde. Il y a 8 siècles, quelques Clarisses, des sœurs donc de Sainte-Claire et de Saint-François, sont arrivées ici à Reims, nous le fêtons en ce moment, pour apporter ici la voie nouvelle et ancienne qui venait d'être ouverte là-bas de l'autre côté des Alpes. Je voudrais ce soir saluer spécialement les sœurs du Très-Saint-Sauveur qui ont ajouté 2 sœurs aux 2 sœurs qui sont avec nous depuis quelques années. Je voudrais saluer les sœurs de l'Annonciation de Bobo Dioulasso qui célébreront bientôt les 10 ans de leur présence parmi nous, même si les festivités de rigueur attendront que nous puissions les vivre sans les contraintes du moment. Et je voudrais saluer aussi les sœurs amantes de la Croix de Govap qui sont arrivées en janvier à Haï. Nous avons besoin d'aide et nous sommes reconnaissants à ceux et à celles qui veulent bien nous en apporter. Mais entendons encore le Seigneur Jésus. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne pensons pas, frères et sœurs, parce que nous sommes un pays de vieille chrétienté, parce que depuis Saint Sixte et Saint Sinice et Saint Nicaise et Saint Remi, la foi a été enracinée dans notre pays, dans notre terre, par le sang des martyrs, parce que nous sommes allés au catéchisme et avons été fidèles à la messe dominicale, ne pensons pas que le Seigneur ne pourrait pas nous dire à chacun de nous, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas ?» Oui, nous avons besoin de prêtres venus d'autres diocèses pour que les lieux eucharistiques de notre diocèse soient rapprochés de chacun de vous. Oui, nous avons besoin de prêtres et de religieux et de religieuses venus d'autres parties de notre pays et du monde pour que la présence du Christ soit plus accessible à beaucoup. Oui, nous nous réjouissons que des hommes se préparent au diaconat permanent, accompagnés dans cette aventure à la suite du Christ par leur épouse et leurs enfants. Mais, même lorsque notre séminaire sera plein, lorsque les diacres permanents seront répartis dans tout le diocèse, lorsque les religieux et les religieuses abonderont, nous aurons besoin que d'autres, venus d'autres parties du monde, nous montrent le Père et nous aident à connaître le Christ. Nous aurons besoin toujours de voir quelques-uns venir de loin pour courir sur les montagnes chez nous en messager de la bonne nouvelle, venant nous dire à notre cité sainte, « Il est roi, ton Dieu ». Car jamais le Christ Jésus n'est simplement notre Christ à nous. Toujours, il est celui qui vient des nombreuses demeures de la maison du Père pour venir nous y conduire avec beaucoup d'autres. Jamais le Père n'est simplement notre Père à nous qui sommes là, mais toujours il est le Père de ceux d'ailleurs et de ceux et celles qui ne sont pas encore arrivés au bout du chemin. Jamais la fraternité chrétienne ne peut être seulement le confort de ceux et de celles qui sont là depuis longtemps et qui sont là avec Jésus, mais toujours elle s'ouvre à celui ou à celle qui a vu le Christ ailleurs et autrement, dans la joie de chanter avec eux le chant nouveau des merveilles de Dieu.
Frères et sœurs, l'immense lustre de cette basilique évoque la Jérusalem céleste, la maison où chacun peut trouver une place qui soit sa demeure, le lieu de sa joie pour toujours avec tous les autres. Que cette Saint-Remi 2020 nous console d'être en crise sanitaire et renouvelle l'énergie de notre foi, de notre espérance et de notre charité, qu'elle nous aide à entrer résolument dans la fraternité avec tous, vécue concrètement, qu'elle nous ouvre à la joie de partager le Christ avec beaucoup d'autres et de le recevoir d'eux aussi. Amen. Voilà, c'était l'homélie de Mgr Éric de Moulin-Beaufort, que vous pourrez bien sûr retrouver sur le site YouTube du diocèse de Reims, mais aussi sur RCF. Une homélie puissante, une homélie très spirituelle qui nous invite au moment où le pape François vient de publier l'encyclique Fraternité, tous frères, Fratelli tutti, nous inviter à vivre dans l'église diocésaine cette fraternité avec une fraternité de proximité. Ne soyons donc pas bouleversés, nous dit Jésus, et rappelle Mgr de Moulin-Beaufort, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est en direct depuis la basilique Saint-Remi de Reims et dans quelques instants, nous allons vivre ce moment souvent attendu qui est l'embrasement de la couronne de ce lustre. Stella Splendens, du livre Vermeil de Montserrat, 14e siècle, avant l'embrasement de la couronne. S'est illuminé, s'est embrasé, les 96 bougies, pas seulement l'âge de Saint-Remi quand il est mort, mais 96 c'est aussi 8 x 12, 8 c'est le nombre, j'allais dire, de la résurrection, et 12 c'est aussi le nombre des apôtres, le nombre de tribus d'Israël, c'est la Jérusalem céleste, c'est le monde où il faut regarder ailleurs, comme l'a dit à l'instant Mgr Éric de Moulin-Beaufort, qui nous ouvre au spirituel et à l'universel. Des applaudissements dans la basilique Sarmi, applaudissements nourris, la couronne est claire. On retrouve la suite de la liturgie.
Alors, je me disais, frères et sœurs, ce n'était vraiment pas l'année pour que le lustre ne s'allume pas. Il y a assez d'enquiquinement dans cette année, sans en ajouter un autre qui aurait pu être un mauvais présage. Puisse donc l'allumage de ce lustre être un bon présage pour cette année pastorale, même si elle commence avec quelques embarras. Nous avons eu la joie depuis le déconfinement, au-delà de Pâques, de célébrer des baptêmes d'adultes et des confirmations. J'invite les néophytes et les nouveaux confirmés qui sont présents dans cette basilique à s'avancer. Ils vont professer la foi devant nous et nous entraîner nous-mêmes à renouveler notre profession de foi devant l'autel du Seigneur et devant la chasse de Saint-Remi. Pour qu'on puisse bien vous entendre, je vous propose, une fois que vous êtes bien en place, d'enlever votre masque pour qu'on puisse vous entendre. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi nous allons renouveler notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ le Seigneur dans la Sainte Église catholique du Christ. Ainsi, vous, frères et sœurs qui venez d'être baptisés et confirmés, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Alors, j'espère qu'on vous a entendu jusqu'au fond. On va voir. Et vous tous, frères et sœurs bien-aimés, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Vous qui venez d'être baptisés, confirmés, pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et maintenant, vous, frères et sœurs, rejetez-vous, pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Frères et sœurs qui venez d'être baptisés, confirmés, pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et vous tous, frères et sœurs, pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et maintenant, frères et sœurs qui venez d'être baptisés, confirmés, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Frères et sœurs qui venez d'être baptisés, confirmés, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père? Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père? Et vous, frères et sœurs qui venez d'être baptisés, confirmés, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous tous, frères et sœurs, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Merci à vous, frères et sœurs, néophytes et nouveaux confirmés. Vous pouvez regagner votre place dans l'Assemblée. Nous sommes heureux de vous compter parmi les membres vivants du corps du Christ. Et tous ensemble, frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers Dieu notre Père. Présentons-lui les besoins et les attentes de tous les hommes. Oh, Savior.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Donne, Seigneur, à ton Église de chercher toujours le chemin de l'unité, sans avoir peur de la diversité, et qu'ainsi tous les lointains de la terre puissent voir le salut de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Le Seigneur est roi. Donne, Seigneur, aux dirigeants et responsables des nations ta sagesse et ta force pour qu'en cette période difficile de souffrance et de maladie, ils cherchent d'abord le bien de tous et que nous sachions les y aider. Avec confiance, prions le Seigneur. Des saints remis à Clovis. Donne, Seigneur, à tous nos frères qui souffrent de la faim, de la solitude, de la maladie, de rencontrer des hommes et des femmes de bonne volonté qui se mettent à leur service et montrent à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Dans la charité, prions le Seigneur. À la suite de Saint Sixte, Saint Nicaise et Saint Remi, évêques de Reims, donne Seigneur à ton Église du diocèse de Reims et des Ardennes de te suivre avec confiance, de retrouver l'audace missionnaire, de se mettre au service de nos frères avec charité et de toujours chanter ta gloire, car tu es le chemin, la vérité et la vie. De tout notre cœur, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Comble-nous de ta grâce, Père très bon. Donne-nous de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de nous entraider dans une véritable charité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Nous allons, au moment de l'offertoire, écouter dans un instant un chant du livre Vermeil de Montserrat du XIVe siècle. Puis nous reviendrons tout de suite après sur des extraits de ce que nous disait il y a quelques minutes dans une homélie puissante, spirituellement provocante pour les diocésains de Reims et des Ardennes, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte nos dons, Seigneur, en ce jour de fête. Autrefois, par l'action de Saint Remi, un roi victorieux s'est courbé devant toi. Aujourd'hui, par ce sacrifice, attire nos cœurs vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui intervient dans notre histoire par le Christ notre Seigneur, pour que notre nation connaisse le salut qui vient de toi, l'évêque Saint Remi a transmis à nos pères la lumière de ta parole, et il les a entraînés par l'exemple de ses vertus. Héritiers de la même foi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur. Vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Remi et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement porté par l'intercession des saints, nous avons l'audace de dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ici en direct de la basilique Saint-Remy pour cette messe de Saint-Remy sur l'antenne de RCF et sur YouTube diocèse de Reims. Nous écouterons le chant de communion, nous t'avons reconnu, et puis il y aura ensuite, vous le savez comme le veut la tradition, un chant pour la procession de la chasse de Saint-Remy, car il y aura la procession de la chasse, et puis ensuite le chant d'après la procession comme nous le faisons traditionnellement. Dans les images sur YouTube, si vous l'avez, vous constatez tout de même cette basilique Saint-Remy qui demeure toujours très magique. Parce qu'il y a là une forme de spiritualité, la couronne est toujours embrasée avec les 87 bougies. Il y a une grande luminosité avec les vitraux, là où nous sommes placés, nous les voyons tous. C'est assez exceptionnel. Et bien qu'il y ait une forme de confinement, puisque tout le monde n'est pas là, il y a forcément quelque chose de plus simple, peut-être, mais il y a une force dans cette simplicité. On l'a même constaté ce matin dans le pèlerinage avec l'archevêque de Reims et quelques personnes qui l'entouraient, comme l'évêque auxiliaire ou le vicaire général,
ou les membres de prêtres de la fraternité. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, disait le Christ, eh bien, il y a la profondeur d'une grande spiritualité. Et je crois que c'est ce que nous avons ressenti tout en allant vers les autres. C'est un peu l'appel qu'a lancé tout à l'heure, sans être réducteur, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, répondant ainsi d'une certaine façon à l'invitation du pape François dans Fratelli Tutti qui vient d'être publié. Thank you.
Voilà, c'était avec les petits chanteurs de la maîtrise une prière pour le gardien des anges, un chant d'action de grâce. Dans quelques instants, nous allons vivre prions. Le chant pour la procession. Seigneur notre Dieu, nous sommes devenus ton peuple grâce à l'enseignement de l'évêque Saint Remi. Toi qui nous fortifies par cette Eucharistie, garde-nous dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, après l'allumage du grand lustre, un des éléments clés de notre fête de la Saint-Remi est la procession derrière la châsse du Saint. Nous ne pouvons pas tous processionner, mais vous suivrez du regard et du cœur en vous associant au chant. Les porteurs de la châsse et puis nous-mêmes, nous symbolisons dans cette marche toute la marche du peuple de Dieu et d'une certaine façon la marche de l'humanité à travers l'histoire, dont nous avons la grâce de croire qu'elle conduit vers la Jérusalem céleste qu'évoque ce grand lustre allumé au-dessus de nos têtes. Quels que soient les chaos, quels que soient les troubles du monde, quels que soient les inquiétudes et les échecs des hommes, par la grâce de Dieu, quel que soit aussi le mal que les hommes sont capables de se faire les uns aux autres, par la grâce de Dieu, par la puissance du Christ et de son sacrifice, notre histoire conduit vers la Jérusalem céleste. Dans cette marche, nous prions pour tous les habitants de notre région. Nous pouvons l'étendre à tout notre pays, généreusement. Nous prions pour toutes nos autorités politiques et sociales, pour que Saint Remi, qui a été le bon pasteur de ce pays et qui a su être un conseiller avisé des princes, puisse leur inspirer les décisions nécessaires pour le bien de tous, pour le bien commun. N'hésitons pas à lui confier aussi nos intentions les plus intimes. Voilà, c'est le traditionnel chant pour la procession de la châsse du Saint-Remi, avec les porteurs de la châsse. Honneur et gloire à toi, Dieu très bon, toi seul et saint, toi seul et grand, par Saint-Remi, l'apôtre des Francs, conduis ton peuple vers ta maison.
La procession se poursuit, procession de la chasse. On chante maintenant le cantique à Saint-Remi, Saint Apôtre, notre Père, nous voulons garder ta foi, ton peuple croit, ton peuple espère en Jésus-Christ, sans Dieu, sans roi. La chasse de Saint-Remi, c'est la tradition, va regagner sa place habituelle. Elle n'est sortie que pendant la neuvaine de Saint-Remi, c'est-à-dire depuis quelques jours, depuis à la fin du mois de septembre, jusque le premier dimanche d'octobre. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés au cours de cette journée, avec à la technique Thierry Deli, qui nous a assuré en particulier la technique à la basilique et la vidéo sur YouTube de 16 Reims, et puis Fabrice Gironet qui est en régie, sans oublier bien sûr Alexis Caudref qui nous a accompagnés toute cette matinée et toute cette après-midi. Dès demain matin, nous y reviendrons à partir de 7h en direct. Et nous reviendrons sans doute sur cette homélie que vous pouvez vous procurer de Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui, comme je le disais tout à l'heure, a beaucoup insisté sur l'encyclique qui vient de paraître du pape François Fratelli Tutti. C'est très lourde, on la remet actuellement dans là où elle est pendant toute l'année. Ce chant traditionnel, sur cette procession qui vient de s'achever devant le tombeau de Saint-Rémy, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, Monseigneur Feillet, Monseigneur Mabille, qui est présent ce soir, et puis de nombreux prêtres du diocèse de Reims.
et les Ardennes. Celles et ceux qui n'ont pu venir, on espère qu'ils ont pu suivre en communion cette célébration. Et on vous propose de continuer de nous suivre. Ô Saint Remi, patron de notre diocèse, de notre ville, de notre région, de notre pays, nous venons à vous en ce jour de votre fête. Nous nous tenons devant vos reliques, nous nous confions à votre intercession vivante. En ce temps d'épidémie, demandez avec nous que cesse la circulation de cette maladie. Demandez aussi avec nous que nous trouvions les moyens d'être actifs et vivants, capables de relations chaleureuses, attentifs aux autres, même au milieu des précautions sanitaires nécessaires. Nous recommandons à votre prière les personnes malades ou mourantes, quelles que soient les causes de leur état. Nous vous recommandons celles et ceux qui les soignent ou les accompagnent. Nous vous recommandons encore celles et ceux qui sont inquiets pour leur situation économique ou sociale. Nous vous recommandons ceux et celles qui, parmi nous, n'ont pas d'existence légale et qui cherchent à vivre mieux. Nous vous prions spécialement encore pour les autorités de notre pays, de notre région, de notre ville, que les hommes et les femmes qui les incarnent soient préservés de la peur et des calculs médiocres, qu'ils sachent, qu'elles sachent, choisir ce qui nous fera tous progresser vers le bien commun et la paix. Obtenez-nous la grâce, ô Saint Remi, de progresser dans la fraternité les uns avec les autres. Que l'Esprit Saint nous inspire à tous l'audace et la liberté de nous engager les uns avec les autres dans des fraternités de proximité. Qu'il nous obtienne la grâce d'accueillir l'encyclique du pape François et de nous en laisser renouveler. Ô Saint Remi, patron de notre diocèse, de notre ville, de notre région, de notre pays, vous, l'apôtre des Francs, priez pour nous tous, pour nos besoins les plus communs et nos besoins les plus intimes. Priez surtout pour que nous avancions toujours dans la lumière du Christ Jésus, lui le chemin, la vérité et la vie. Qu'à votre exemple, nous soyons forts et doux, humbles et fermes, dans la foi, l'espérance et la charité, généreux et joyeux aussi. Vous, par qui Clovis et les Francs ont été initiés à la vie dans le Christ, plongés dans le baptême pour une vie nouvelle, vous qui avez guidé, soutenu, encouragé nos aïeux sur les chemins du Christ, priez pour que nous déployions au long de nos vies en tous leurs moments les grâces de notre baptême. Saint Remi, priez pour nous. Saint Remi, priez pour nous. Saint Remi, priez pour notre diocèse. Saint Remi, priez pour notre diocèse. Saint Remi, priez pour notre région. Saint Remi, priez pour notre région. Saint Remi, priez pour notre pays. Voilà cette cérémonie. Frères et sœurs, au terme de cette célébration, je vous invite à vous asseoir quelques instants. C'est la première fois que nous pouvons nous réunir en diocèse, en étant reliés par les ondes, d'une façon ou d'une autre, à beaucoup qui s'unissent à nous. C'est donc un moment favorable pour donner quelques nouvelles que nous n'avons pas pu donner au terme de l'année dernière, de l'année pastorale, au mois de juin. Je voudrais, en ce jour de fête, saluer les prêtres jubilaires pour leurs 65 ans d'ordination. Normalement, les jubilés, c'est 25 et 50 ans, mais au-delà de 50 ans, on peut peut-être le faire tous les 5 ans quand même. Pour leurs 65 ans d'ordination, ils ont donc été ordonnés en 1955, je voudrais citer les pères Henri Brisefer et Michel Couvreur. Pour ses 60 ans d'ordination, le père Georges Mauprivé. Pour leurs 55 ans d'ordination, les pères Guy Bertrand, Claude Collignon, Pierre Doche, Jacques Lallemand. Pour ses 50 ans d'ordination, le père Jean-Luc Mangeard.
pour ses 25 ans d'ordination, le père Joseph Mopepe Ngongo du diocèse de Molégbé, qui nous aide à la cathédrale. Même si ce n'est pas tout à fait jubilaire, je voudrais citer, confier aussi à votre prière, pour leurs 20 ans d'ordination, les pères Apollinaire Capdonou du diocèse d'Abomey, Léonard Nadambega du diocèse de Koupéla au Burkina Faso et le père Jacques-Aimé Sania du diocèse de Ziguinchor au Sénégal. Je pense que nous pouvons applaudir tous ces prêtres. Voilà des applaudissements nourris pour tous ces prêtres qu'on salue bien sûr dans l'église diocésaine, les prêtres jubilaires. Parmi les diacres permanents, nous n'avons pas de jubilaire au sens strict, mais je voudrais tout de même citer pour ses 30 ans d'ordination Gilbert Pouillard, qui est à Charleville-Mézières, épouse de Denise. Et pour ses 10 ans d'ordination, Jacques Houdard, époux de Marie-Josée à Poitéron. Toujours des applaudissements pour nos diacres dans le diocèse de Reims-Ardennes. Enfin, je vous propose que nous fassions mémoire des prêtres défunts de cette année. Au cours de la Saint-Remi l'année dernière, nous avions fait mémoire du père Joseph Annès qui venait de mourir. Nous étions le 6 octobre et il était mort le 3 octobre dans sa 92e année, dans la 68e année de son ordination, donc le père Joseph Annès. Et puis peu de jours après, le 22 octobre, est décédé le père Daniel Lefebvre, avec 51 ans d'ordination. Et puis le père Denis Godbillot est décédé le 19 février. Et puis nous avons traversé le confinement sans perdre aucun prêtre, mais cet été, nos deux centenaires sont partis vers la demeure du père. En tout cas, nous les confions au Seigneur, le père André Despa, qui est mort le 26 juillet avec 67 ans d'ordination et 100 ans accomplis, et le père Roger Boiset, qui, une fois la porte ouverte par son prédécesseur, l'a suivi sans tarder le 8 août avec 67 ans d'ordination, lui aussi, et lui aussi centenaire. Je propose que nous disions un « Je vous salue Marie » pour eux tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai cité, frères et sœurs, quelques religieux, religieuses consacrées qui nous ont rejoints cette année. J'ai oublié, évidemment, toujours forcément de citer quelqu'un, le père Thibaut Durusquet de la communauté du Chemin Neuf, et qui nous a rejoint, que je remercie beaucoup. Ah, il a changé de côté, le voilà ici. Peut-être qu'il peut monter un peu à l'autel et enlever son masque pour qu'on puisse voir qu'il a une barbe, ce qui nous permettra de le reconnaître un peu plus facilement. Nous lui souhaitons la bienvenue, et les sœurs d'Abizera Maria, qui sont à Givet et qui viennent du Rwanda aussi. Vous voyez que nous recevons de l'aide en abondance. Puissions-nous en être dignes. Et puis donc, samedi prochain, le diocèse de Châlons promulguera, au cours d'un rassemblement diocésain, son projet diocésain. Je le confie donc à notre prière fraternelle aussi. Et nous sommes toujours dans le 8e centenaire de l'arrivée des Clarisses à Reims, du vivant de Sainte-Claire. La messe samedi soir prochain à la cathédrale sera célébré à cette occasion. Ce devait être la clôture du jubilé, mais comme le confinement a empêché un certain nombre d'événements, les sœurs jouent un peu les prolongations. Mais néanmoins, samedi prochain, à la cathédrale à 18h, si je ne me trompe, nous célébrerons solennellement l'arrivée des sœurs et nous rendrons grâce à Dieu pour la présence des Clarisses dans notre ville. Voilà, frères et sœurs, merci à tous de votre présence. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont joints à nous par des moyens technologiques. Je remercie tous ceux qui ont préparé cette célébration. Je voudrais saluer la maîtrise. Il y avait longtemps que nous n'avons pas entendu. Célébrer les rameaux, célébrer les jours saints sans la maîtrise, ça a été une des privations de ce confinement. Donc nous sommes heureux de les retrouver et nous les remercions beaucoup pour ce qu'ils nous ont offert ce soir.
la maîtrise qui nous accompagnait tout au cours de cette célébration. Je veux remercier les scouts, les servants et encore une fois tous ceux qui dans l'ombre ont préparé cette célébration, avec une mention spéciale pour ceux qui ont mis les mèches autour de ce lustre et qui nous ont permis d'allumer quasiment toutes les bougies. Il paraît qu'il y en a une qui n'a pas été allumée, deux même, pour que nous ne croyons quand même pas être encore arrivés au royaume des cieux et que nous puissions d'année en année tâcher de faire mieux. Voilà, maintenant je vais demander à Dieu de vous bénir avec Monseigneur Feillet, Monseigneur Labille et tous les prêtres ici présents. Je laisse la parole quelques instants à Maxime Labesse, un de nos séminaristes. Peut-être que les membres de l'équipe peuvent rejoindre ceux qui participeront à l'aventure. Au nom de toute l'équipe, j'ai la joie de vous annoncer qu'en 2021, l'aventure du camp Skiprière, qui a déjà eu lieu pendant 10 ans dans le diocèse, reprendra. Du 27 février au 5 mars 2021, au 6 mars 2021. Donc l'équipe est en train de se constituer et de préparer tout ça. Et nous attendons maintenant les inscriptions. Donc n'hésitez pas à proposer autour de vous. Vous trouverez à la sortie des flyers bleus. Vous pouvez en demander et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à prier pour nous. Une partie de l'équipe est présente. Donc on aura la chance d'avoir 3 prêtres avec nous. Le père Baptiste, bienvenue. Le père François Pinon, qui sont de notre diocèse. Et on aura aussi une délégation du diocèse de Langres qui nous accompagnera avec le père Vincent Cardo. Et puis, avec Gauthier, mon frère, nous assumerons la direction du camp. Et il y a aussi François, qui est quelque part, qui fera partie de l'équipe. Voilà. Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Par l'action de Saint Remi, Dieu le Père a illuminé notre nation de la lumière du Christ. Que son esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur l'Église consume tout mal au fond de vos cœurs. Qu'il vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui rassemble les hommes dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci. Voilà le soleil qui fait resplendir les vitraux et le lustre, mais je veux une lueur d'espérance dans des jours parfois compliqués. À bientôt.